Bien, mes chers amis, Fabrice Auchuit réussi à Tonton Polo. Donc, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui. Eh bien, franchement, de tout cœur, je suis vraiment emballé d'être ici. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, tout simplement, c'est les erreurs à éviter quand vous voulez vous lancer en affaires, quand vous avez surtout un rêve. Eh bien, tout simplement, c'est d'aller en parler à n'importe qui. Il ne faut pas parler à n'importe qui, puisque quand vous avez un rêve, ce rêve, on va dire que c'est comme une petite fleur fragile. Et si vous allez parler à n'importe qui, comme elle est fragile, la personne qui, si vous allez en parler, si elle n'a jamais réalisé quelque chose de sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vous écraser, elle va étouffer, elle va écraser cette belle petite fleur qui est si fragile parce que c'est un rêve que vous allez pouvoir commencer à travailler, commencer à focuser, commencer à vous imprégner tout simplement de cette réussite, à vous mettre dans une bulle. Et donc, ce qui va se passer, la personne, si elle est négative, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vous écraser, elle va vous dire, non, c'est pas possible, écoute, tu rêves, attends, redescends sur terre. Nous sommes en pleine crise, toutes les sociétés sont en train de fermer les unes derrière les autres. Il y a des pays qui sont en train de couler directement, mais il y a même plusieurs pays qui sont en train de couler. Donc, toi, qu'est-ce que tu es en train de rêver? C'est quoi? Attends, tu restes réaliste. Donc, qu'est-ce qui va faire la personne? Cette personne va écraser votre rêve, va pouvoir étouffer votre rêve. Donc, par contre, si vous avez l'occasion de discuter avec des personnes qui ont réussi, vous allez pouvoir leur dire, écoutez, bravo, félicitations, je vous admire. Et par contre, moi aussi, j'ai des rêves, je voudrais réaliser ça, j'ai ça comme rêve, et j'ai ça, et je voudrais regrouper 50 654. Personne et faire créer 20 000 entreprises et 30 000 emplois, 30 654 emplois, et bien la personne va vous dire, ben oui, effectivement, tu devrais faire comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Il va en fait te donner les secrets, en fait, quelques pistes pour pouvoir réaliser tes rêves. Si tu vas dire, écoutez, moi j'aimerais bien avoir un 4x4 de luxe, par exemple, mais il faut aller voir des gens qui ont déjà un 4x4 de luxe, qui sont humbles, bien sûr, qui vont pouvoir vous expliquer comment ils ont fait, comment ils ont rêvé, et mettre tout simplement ce qu'on a envie d'avoir autour de nous, déjà pour commencer dans notre chambre, sur le mur, en décoration, etc. Là, vous voyez, moi ici, j'ai un fond sur lequel la liberté, ça m'intéresse, la liberté c'est quelque chose de primordial. Les États-Unis c'est un pays de liberté, donc ça me fait vibrer. Donc je mets à chaque fois en fond de vidéo, pour que ça me fait penser, cette liberté, cette putain de liberté, je bosse pour ça. Vous comprenez? Donc voilà, c'est à vous de choisir. Les erreurs à éviter aussi, je vais vous dire quelques erreurs, je ne vais pas non plus, je vais pas non plus vous bombarder avec toutes les erreurs à éviter, puisque trop d'informations tue l'information. Je vais vous donner quelques erreurs à ne pas faire. C'est de mettre un objectif trop élevé aussi, ça va vous décourager. Si vous allez vous dire, je veux faire millionnaire le mois prochain, c'est pas question que c'est impossible. Il y a des gens qui l'ont fait. Ils l'ont fait millionnaire en une journée, ils l'ont fait en 2 ans, ils l'ont fait en 6 mois, ils l'ont fait en 1 mois, ils l'ont fait en 1 semaine, ils l'ont fait en 1 jour. C'est possible. Mais est-ce que vous êtes prêt pour pouvoir faire? Est-ce que vous avez un plan d'action? Est-ce que vous avez une stratégie? Donc, ne mettez pas de très gros objectifs trop près parce que ça va vous décourager. Je veux un 4x4 demain, un 4x4 à 100 000 euros. Je ne sais pas, est-ce que c'est réalisable? Maintenant, si vous mettez votre objectif dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, oui, certes, c'est possible. Ça sera réalisable. Maintenant, si vous avez déjà plusieurs années de développement personnel, vous êtes dans une dynamique, vous avez fait beaucoup de formations, vous avez une certaine expérience là-dedans, c'est possible. Moi, si je me dis, dans 2 ans, je veux être millionnaire, tout à fait.
je serai millionnaire avant à mes 50 ans parce que c'est déjà programmé ici. Et j'ai déjà même désauté j'ai déjà dépassé ça, le fait d'être millionnaire. Je suis déjà parti sur le fait d'être milliardaire. Et c'est possible, milliardaire. D'accord? Donc, milliardaire, ben, tout simplement, il faut être à l'international. Il faut être vraiment sur différents pays. Il faut être au niveau francophone, au niveau anglophone, avoir des outils de travail en français, en anglais, en allemand, en espagnol. Et après, pourquoi pas en chinois, hein, parce que ces cinq langues, ce sont des langues dominantes. Et pourquoi pas en russe aussi, six langues. Donc, vous avez des sites aujourd'hui qui sont avec plusieurs langages. Donc, les gens qui se connectent, tout simplement, si c'est en français, vous allez pouvoir le faire en français. Après, moi, je parle français, je parle un peu anglais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire traduire, je vais faire un sous-titrage, par exemple, en anglais. Je vais bien sûr sous-traiter, parce qu'il y a des gens qui savent très bien le faire. Je vais faire un sous-titrage ou bien un doublage en anglais, en espagnol, après, une deuxième fois, avec une troisième personne. Une quatrième personne, on va le faire en allemand, par exemple. On va le faire un outil de travail avec un langage comme en russe. Pourquoi pas, parce qu'ils sont aussi nombreux. Et pour terminer, on va faire un langage en japonais ou bien en chinois, en vietnamien, enfin en thaïlandais, que sais-je. Dans tous les cas, plus on aura un outil de travail qui sera essentiellement sur Internet, puisque aujourd'hui, si vous voulez faire un milliardaire, si vous voulez faire une start-up, une société milliardaire, et c'est sur le net, parce qu'on est sur la planète. 3,5 milliards de personnes et bientôt 8 milliards de personnes connectées. Donc voilà, il faut savoir où l'on va, qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc il y a des erreurs à éviter, des erreurs à ne pas commettre. Donc là, dans cette vidéo, je vous donne gracieusement, je vous donne une partie des erreurs à éviter. Donc voilà, mes chers amis, c'était Fabrice Auchuis. Réussir, Tonton Polo, c'était votre ami Fabrice Auchuis, alias Réussir Tonton Polo. Et vraiment, de tout cœur, j'ai été ravi de pouvoir partager ce moment avec vous. Et si vous avez trouvé un intérêt, eh ben, mettez-moi un pouce. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à la chaîne Réussir Tonton Polo. Et partagez tout simplement. Soyez généreux. Et je voudrais savoir si vous pouvez partager cette vidéo, serait-ce à 6 personnes de votre entourage. C'est pas la mer à boire, 6 personnes. Donc ça va pouvoir aider peut-être des gens qui veulent avancer dans la vie, qui ne veulent pas faire des erreurs. Voilà. Donc mes chers amis, à très bientôt. Je vous embrasse.